T'es censé venir de quelle planète, gamin? Pas beaucoup d'infos aujourd'hui. On est parti pour une semaine tranquille. Donc on peut pas faire des selfies avec tout le monde. Yo les gothiques. Non, me parle pas conformiste. Tire-toi de là. Tu es un conformiste, ça se voit. La ville part en vrille encore plus que d'habitude. Alors on s'est dit qu'on allait essayer ce sortilège de magie noire trouvé sur le net. Mais la brutide frangin d'Orietta a volé le tome sacré dont on avait besoin pour le rituel, alors on est baisé. Si tu pouvais trouver ce tome, petit, ce serait grave gothique de ta part. Je suis pas très selfie. J'espère que tous ces likes sur tes posts remplissent ton vide intérieur, conformiste. Dégage! Un selfie? Tu te moques de moi? Vous avez rien, on peut rien les prendre. Je pourrais faire des trucs non conventionnels avec vous toute la journée. Ah, il est là le livre. Voilà. Ouah, t'as trouvé le tome sacré? Pose-le dans le cercle des sortilèges. On va tout de suite allumer les bougies sacrées. Vas-y, allume tes bougies, là. Ma rhum m'a pris mes allumettes, pétasse conformiste. J'imagine que mon côté anticonformiste te met mal à l'aise. C'est tout? Donc tu peux allumer les bougies pour nous? Wesh. Va prendre la photo, abruti. Ah, je dois débloquer un nouveau pouvoir pour faire ça, ok. En gros, je vais pouvoir allumer le feu, je pense. Oh là là, la menthe et les cerises sont l'association parfaite du parfum exquis et du croquant. Ça, c'est le héros. Praline menthe cerise. Je parie que toi et Bradley, vous vous entendriez super bien. Mais ouais, sauf que lui, c'est un véritable héros. J'approche de la forteresse de la solitude de Super Craig. Il ne répond pas. J'espère qu'il ne lui a rien arrivé. Putain, il y a un coffre, il me semble. No drone zone. Ah. Pourquoi là, je peux pas le casser? Il saute un peu de ma gueule là. Super Craig. Citoyen, bonjour, c'est moi, Super Craig. Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure d'aider à résoudre les problèmes des autres. Super Craig ne trouve plus son cochon d'Inde. Va dire au Coon que je ne jouerai plus avec lui tant que je n'aurai pas retrouvé Stripe. Ce n'est pas un cochon d'Inde ordinaire, c'est celui que je partage avec mon ex-petit copain. Tu as bien compris, Super Craig est gay. J'imagine que Stripe est encore allé se fourrer quelque part dans la cave. On devrait commencer par la cave, c'est là que je l'ai vu en dernier. Super Craig est gay. Peut-être qu'il a senti les croquettes pour chien en bas. Ah, là, là. Je vais rester près des escaliers pour l'empêcher de s'échapper. Toi, tu t'occupes du reste, Truduc. Fais attention, c'est peut-être la mission la plus délicate de ta vie. Regarde, il... Claque doit débloquer. Ah, génial, ça pourrait bien être utile.
presse. Recommence. Quoi? On y est presque. Lâche pas ce cochonnade. Vite, frappe ce carton avec ton truc. Ça va péter. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. T'es vachement doué. Dégage ce truc du chemin. Vite, fais-toi. Ça avait l'air d'exiger tellement de talent. Utilise le pouvoir de ton cul pour saturer son odorat super sensible. T'es mal comment il l'a maltraité de fou. Ouais, Stripe, un super sauvetage. Mais j'étais pas tout seul. Il faut aussi remercier Trouduc et son cul tout pourri. T'as reçu le noob. Si t'as besoin d'aide, tu peux compter sur Super Craig. Yeah. Ah ouais, évidemment. Qui n'aurait pas envie de faire un selfie avec Craig d'acier? Youpi! Nouveau follower. Ah super, on a fini. Un super Craig sans Stripe, c'est comme Super Girl sans vélo. Es-tu prêt à voguer vers de nouvelles aventures, super héros? Je parlais à Stripe, hein, pas à toi, Trouduc. Vas-y, on se casse. Psst, le nouveau. Hé, hey, toi, tu serais pas un ami de Craig? Tu cherches Craig? Non. Moi, disons que je suis un collectionneur d'art spécialisé dans une forme d'art asiatique délicieusement moderne et extrêmement troublante appelée yaoi. Dingue, non? Mais certains acheteurs sont prêts à payer ça une fortune. Si t'en trouves au cours de tes aventures, apporte-les-moi. Je saurais te remercier. Reviens dès que t'en auras trouvé d'autres. Récupère 10 œuvres yaoi. Il respecte rien, putain. On dirait le youtubeur là, comment il s'appelait déjà l'autre là qui a fait un drama pas possible. Je me rappelle plus de son blaze. C'est quoi tous ces poils là? La baignoire. Ah, il reste une chambre à chaque fois, je l'oublie cette chambre. Je dois mettre une pancarte sur ma porte. Les garçons trop cons sont interdits. Qu'est-ce que tu me veux? Tu vois pas que je suis occupée? Non, récupère plus de yaoi pour mon père et je réfléchirai. T'es marrant. Oh, salut le nouveau. À quoi jouent les enfants aujourd'hui? Ouais, là on a visité. T'es mal, il est en couple avec Twig. Je savais pas. Ah, le pauvre Kyle qui a zéro lag, zéro com. On est à 324 followers, ça va, c'est pas mal en montant. Pas mal, le nouveau, pas mal. T'as obtenu quelques followers sur Instagram, j'avoue. Mais c'est loin de suffire. Je pense que tu es prêt pour l'étape suivante. Reviens au repère du Goon. Terminé. Recette amplificateur divin. Pas mal. On a ici. Ah, ouais. Ah, attends. Ouais, je sais ce qu'on va faire. On va peut-être pouvoir allumer la bougie avec nos pétards. On va essayer.
Je pourrais faire des trucs non conventionnels avec vous toute ma journée. Wow. C'est ce qu'un mec conventionnel dirait. Oh, dur. Va prendre la photo, abruti. Wow. Ok, c'est ça. Wow. Elle est où la dernière? Ok, il en reste une ici. Wow. 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 Bordel, le nouveau a réussi. Wow, ce coffre a l'air super gothique. Ouvre-le, le nouveau. Costume. Sans deck? C'est que ça? J'avoue. C'était anti-orgasmique. Ça craignait. Ouais. La vie est une série de déceptions. Vas-y, on tu nous as aidé, alors ouais, on peut faire un de tes... selfies. Youpi! T'es mal, il a le sourire. La vie est une série de déceptions. Au point où en est ma vie, je peux tout aussi bien faire un selfie avec toi. Let's go, on gratte 4 followers. Youpi! Super rituel, merci la société. Youpi! Si un selfie c'est ce qu'il faut aux conformistes pour se sentir bien dans leur peau, j'imagine qu'on peut en faire un. Youpi! Let's go! Ça c'est bien joué ça je trouve. Allez, on va... J'espère... On va juste changer de costume. Parce qu'il a l'air pas mal le nouveau qu'on a chopé là. Ouais, je trouvais qu'il est stylé, non? Les cheveux, on s'en fout. Et le maquillage, c'était quoi? Waouh, stylé. Dommage qu'on se puisse pas changer de couleur. Mais que t'as au moins immortalisé mon côté cynique. Allez, on se casse. Il est pas mal notre nouveau pouvoir. Attends, il voulait quoi lui déjà? Pas beaucoup d'infos aujourd'hui. Ah oui, c'est parti vrai. Pour une semaine tranquille. Stop, le nouveau, stop! Tu vois ces petites briques de Lego rouge? C'est de la lave. Si tu essaies de la traverser, tu crèves. Ne la touche pas. Attends, mais ça n'a aucun sens. Qui mettrait de la lave ici? Moi! Prenez ça, la bande. Professeur K.O. Exact, Kuhn. J'ai placé de la lave aux endroits stratégiques de la ville. Sinon, ce serait trop facile. Ce monde manquerait d'intérêt sans un peu de... K.O. C'est bon, on peut couper. On s'occupera de K.O. en temps voulu. Pour l'instant, ne perdons pas de vue notre objectif. Kuhn, terminé. Ok. J'arrive. Matt. Les sixièmes sont bien trop forts pour toi. Continue de marcher comme si de rien n'était. Ne les regarde pas. Hé, hey, regardez, un débile de CM1. Vas-y, on n'a rien vu. Coucou, toi. On retourne voir le Kuhn et sa bande. Ah, faut toujours mettre le mot de passe. Nick. Ta mère. Ah, te voilà, Trouduc. Devenir un super-héros, c'est plus dur que tu croyais, pas vrai? Bon, t'es vraiment un gros naze, mais j'ai quand même pitié de toi. Comme ton père a baisé ta mère quand t'étais gamin, tout ça. Viens par ici. Je vais t'apprendre 2-3 trucs sur les artefacts. La plupart des héros boostent leur capacité grâce à un équipement spécialisé. Tu vois ça? C'est un artefact de puissance. Tu trouveras des trucs comme ça un peu partout en ville. Le truc, c'est de les mettre dans tes emplacements d'artefacts. Vas-y, essaie pour voir. T'en as un de spinner, sérieux. On sait l'application artefact. Chaque artefact a un emplacement spécial sur ton corps. Utilise celui-ci pour booster tes stats. Donc ça, c'est quoi, collection... Saisonnière d'oreilles d'elfes. Mais non, le spinner il pue sa mère en fait. Parce qu'il donne. Bah ouais. Vas-y, je mets celui-là. Ça va peut-être piquer un peu au début. Ton ADN est en train de fusionner avec...
Tu trouveras d'autres artefacts au cours de tes aventures de super-héros. Et tu peux même en construire toi-même. N'oublie pas, de grands pouvoirs, ça veut dire des meufs canons et beaucoup de pognon. Je pense que maintenant tu es prêt à affronter ces sixièmes. Va leur péter la gueule. Ok. Let's go. On va péter la gueule à ces connards de sixième là. Minou, viens là. Viens, Minou, Minou, Minou. Balance-lui un caillou. Non, c'est à moi de lui lancer un caillou. Balance un pétard à la place. Non, ceux-là sont super rush. Donne-moi la pierre. Foussard, vas-y, allume ce truc. Non, je préfère jeter la pierre. Balance un pétard à la place. Non, ceux-là sont super rush. Donne-moi la pierre. Vas-y, je vous défonce. On va vraiment se battre contre les sixièmes? Pas de quartier, les mecs. Jolie tenue, ouais. Ok, voyons ce que tu sais faire, le nouveau. Alors, difficulté de combat. Cool, les héros ont un avantage héroïque. Les alliés et les ennemis sont de force équivalente. Génie, les ennemis ont un avantage. Attends, cool. Cool, les héros ont un avantage héroïque. Difficulté des combats. Bah, on va mettre les alliés et les ennemis sont de force équivalente. Tu peux changer la difficulté dans ta pose. Réveillez-moi quand c'est mon tour. Ça te fera une belle cicatrice. J'ai pas mal de problèmes en ce moment et vous cogner dessus est l'un d'eux. Tu t'en es sorti comme un champion. Ça fait mal, hein. Bon, qui sera le suivant à avoir droit à ma rage? Ça te plaît, CM1? Autant t'habituer à ce qui t'attend. Oh, je suis en l'air. D'accord. Vas-y. Faut que je te soigne. Ouais, j'appelle ça Jetstream. Ça soigne, c'est bien pratique. Ça soigne, c'est bien pratique. Le pouvoir blocage de Craig lui permet d'éviter les dégâts. Ok. De dévier les dégâts. Les pouvoirs de blocage deviennent les dégâts jusqu'à la fin. Dévier les dégâts jusqu'à... Ok. C'est parti. On va faire X. Méga coup de poing. Quoi? Les sixièmes, ça meurt pas. On est immortels. Comment ça se fait que t'as des lasers? J'en veux aussi. Qui emmerdez maintenant? Pourquoi pas vous? On fait quoi? Ne te laisse pas abattre, Truduc. Ouf, là il a un dégât de zone, le bâtard. Excusez-moi, mais je dois pisser dans un ballon. Et hop, en vol. C'est quoi? On va faire du B. Rafale galvanisante. Et voilà un bouclier absorbeur de dégâts. Oh, merci. C'est mon putain de tour, ouais. Faut qu'on aille niquer lui, là. Plus on attend, plus le coup sera spectaculaire. Ce mouvement est génial contre les adversaires relativement... Ouais, je m'y attendais. Fous-leur sur la gueule! Ça vous fait marrer? Le dernier qui a fait ça, il est mort. Ah, dégueu! Merde. Ressens la colère de l'homme cerf-volant! Piou, piou! Ouh. Bienvenue dans le monde des lasers! À moi de jouer.
Ce coup ne fait pas de dégâts, mais il me donne un bouclier et met l'ennemi en rage. La puberté, ça te donne envie de tuer tout le monde? Lâche-toi à nouveau. Ah ah, je vais mettre mon poing si profond dans ton cul que ça t'aidera pour tes gargarismes. Hé, hey, regardez pas les PD. La météo prévoit des bourrasques et de forts risques de colère de cerf-volant. Oh, vous allez y avoir droit. Et moi qui trouvais les cerfs-volants nuls. Ravi d'avoir fait changer d'avis, Super Craig. Qui t'a dit que j'avais changé d'avis? C'est un Super Craig. Vas-y, P. A. À plat et suture. Waouh, on a bien cassé du sixième. Ouais, phase de combat, j'ai encore un peu de mal. C'est un peu particulier, je trouve. Pas très... Comme je l'ai dit auparavant, je suis pas très fan. C'était carrément charmé. On forme une super équipe. Génial, c'était trop cool. Attends que toute la ville apprenne que le Kun et sa bande ont éclaté 4 sixièmes. C'est de la bombe pour notre franchise. Bon, après, ça craint un peu pour toi parce que les sixièmes vont vouloir se venger. T'aurais sans doute pas dû faire ça. C'était vraiment con. Bon, allez, va choper d'autres followers pour notre franchise.